reconnaissante pour le sang versé pour ma délivrance. Mon âme est reconnaissante pour ton amour que tu as déjà démontré. Mon âme est reconnaissante de ce que aucun cas avec toi n'est désespéré. Aucune situation avec toi ne sent trop mauvais. Aucune montagne avec toi n'est inamovible. Rien avec toi n'est impossible. Car ton nom définit ta capacité, El Shaddai. Ayadaba, Alato Prakata, Malete Geto Para. Yes, Lord, Yelamadosa. Oh, je suis reconnaissant lorsque tu es là. Je suis rassuré lorsque tu es là. Tu es dans la barque de ma vie. Remachete Kepa, Ibrados Kepara. Tu es dans la barque de ma vie. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas démuni. Je ne suis pas désavantagé, je ne suis pas complexé, je ne suis pas intimidé par le diable et ses activités, je ne suis pas effrayé, je ne suis pas coupable, je suis non coupable, justifié par ma foi en Jésus-Christ. Oh, je suis reconnaissant pour mon grand frère Jésus qui a pris ma place à la croix et m'a donné sa place. Tu as pris ma culpabilité, tu m'as donné ta justice. J'ai un vêtement sur mon homme intérieur, un vêtement. Je n'ai plus un vêtement de condamné à mort à cause de mes péchés, non. J'ai un vêtement de justifié, j'ai un vêtement de pardonné, j'ai un vêtement. Je n'ai plus le vêtement blanc de condamné à mort, non. J'ai le vêtement blanc des innocents, ceux qui ont été innocentés à cause de ce que Jésus a pris ma place. Je n'ai pas été innocenté pour bonne conduite, j'ai été innocenté par grâce. Et je te rends grâce, mon âme te bénit. Rache Keto Para. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Père, nous sommes reconnaissants. Mon âme veut te bénir ce matin. Mon âme veut bénir le Seigneur Rakobarata. Oh Mateteskia, je ne suis pas délaissé. Je ne suis pas abandonné. Père, merci pour le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci de ce que, quel que soit ce que j'ai fait hier, quel que soit là où ma vie est aujourd'hui, la gloire est possible. La gloire peut être atteinte. Le but peut être accompli. Parce que tant que tu es là à l'intérieur de moi, le but, la cible peut encore être atteinte. Et par ta grâce, elle sera atteinte. La plus grosse catastrophe qui puisse m'arriver, ce n'est pas de péché. La plus grosse catastrophe qui puisse m'arriver, ce n'est pas de tomber. La plus grande catastrophe qui puisse m'arriver, ce n'est pas de trébucher. La plus grande catastrophe qui puisse m'arriver, c'est de perdre le Christ. C'est de perdre le Christ. Parce que si je perds, si tu perds le Christ, tu perds la gloire. Si tu perds le Christ, tu perds la capacité d'accomplir le but. Si tu perds le Christ, tu perds la capacité d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Mais tant qu'il est à l'intérieur de moi, ma chute ne me disqualifie pas. Mes fautes ne me disqualifient pas. Mon mauvais cœur ne me disqualifie pas. Ma mauvaise conduite ne me disqualifie pas. Parce que tant que le Christ est à l'intérieur, tant que le Christ est à l'intérieur, raqueto para. Tant que le Christ est à l'intérieur, il y a de l'espérance pour moi. Il y a la capacité d'atteindre encore le but. Ah, voilà pourquoi mon âme te bénit. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, élève la voix. Racopéré, et caparadusa. Oui, mon âme, je sens de la gratitude qui doit monter. Le Père peut recevoir de la gratitude. Tant qu'il est dans la barque, je ne coulerai pas. Tant qu'il est dans la barque, je ne serai pas dans la confusion. Tant qu'il est dans la barque, je ne finirai pas mal. Tant qu'il est dans la barque. Et un jour ou l'autre, même s'il a l'impression qu'il dort, il va se réveiller. Il va dire, silence, tais-toi. Il va dire à la tempête, silence, tais-toi. Et la tempête se taira. Oh, peut-être que ça souffle, mais mon âme est reconnaissante de ce que tu es dans la barque de ma vie. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Oh, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Christ en moi, tu es l'espérance de la gloire pour moi. Tant que tu es là, même si je tombe, tant que tu es là, ta grâce va me relever. Tant que je garde la foi en toi, pas la foi en moi, mais la foi en toi, en ta force, en ton amour,
en ta capacité, en ta puissance. Tant que tu es là dans ma vie, je ne suis pas désavantagé. Mon frère, ma soeur, tant qu'il est là, quel que soit le nombre de fois où tu chutes, il n'est pas déçu, non. Tant qu'il est là, ne laisse pas le diable te culpabiliser. Quel que soit le nombre de fois où tu chutes, quel que soit ton mauvais cœur, tout ce dont tu as besoin, c'est que le Saint-Esprit ne te quitte pas. Voilà pourquoi tu dois tout faire pour ne pas éteindre l'Esprit. Car il est écrit, n'éteignez pas l'Esprit. Mais tant que tu tombes, ce n'est pas grave. La plus grosse tragédie, ce n'est pas ta chute. La plus grosse tragédie, c'est son départ de ta vie. Voilà pourquoi tu dois le chérir. Même ça prendra le temps que ça prendra. Tu dois tout faire. Dès que tu es tombé, relève-toi. Dès que tu es tombé, demande pardon. Dès que tu es tombé, humilie-toi. Ne conteste pas, ne discute pas. Humilie-toi, parce qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il n'est pas impressionné par mon mauvais cœur. Il n'est pas impressionné par mes défauts. Il n'est pas impressionné par mes mauvais caractères. Tant qu'il est dans la place, il ne compte pas sur moi. Il compte sur sa capacité qui agit en moi, sa capacité à produire en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si seulement je m'expose à l'atmosphère de sa présence, à l'atmosphère de sa gloire, je sais une chose, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tant qu'il est là, je t'assure que là où tu me vois n'est pas là où je serai l'année prochaine à la même période. Tant qu'il est là, là où tu me vois, mon frère, ne me juge pas en fonction de là où je suis. Ne me juge pas. Ne me dis pas David l'adultère. Ne me dis pas David le criminel. Non, parce que le ciel m'a appelé à la fin de mon histoire. Le chant agréable d'Israël. L'homme haut placé. L'homme selon le cœur de Dieu. Ne me juge pas mon adultère. Ne me juge pas mes fautes. Ne me juge pas mes meurtres. Ne me juge pas mes avortements. Ne me juge pas parce que tu commets une erreur. Tant qu'il est dans ma vie, je ne serai pas désavantagé. Tant qu'il est dans ma vie, il y a ce qu'on appelle l'espérance de la gloire. La capacité, l'espérance de pouvoir, malgré une vie mal orientée, bien finir et atteindre le but. Et le but, c'est la volonté de Dieu. Le but, c'est la destinée de Dieu. Le but, ce sont les projets de Dieu. Le but, c'est le plan de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de rendre grâce à Dieu. Je sens qu'il faut rendre grâce à Dieu. Parce que tant qu'il est là, oh parata et mato que para. Oui, des chants d'action de grâce, des pensées d'action de grâce, des paroles d'action de grâce. Oh, à ma père, bien-aimé, est-ce qu'il y a des gens que toi tu connais? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont quitté parce qu'ils ne te supportaient plus? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont sorti de ta vie parce que ce que ta vie émettait comme son, le parfum sentait mauvais? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de ta vie parce que tu sentais mauvais? Ton âme sentait mauvais, ton caractère sentait mauvais, ton comportement sentait mauvais, tes études sentaient mauvais, ton mariage sentait mauvais. Il y a des gens qui ne sont intéressés par toi que lorsque tout va bien. Il y a des gens qui ne sont intéressés par toi que lorsque tu as un bon boulot. Il y a des gens qui ne sont intéressés par toi que lorsque tu as une bonne position. Il y a des gens qui ne sont intéressés par toi le jour où ce que tu avais qui les intéressait disparaît et quitte ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais lui, il ne m'a jamais quitté. Quand il m'a vu tomber, il est resté dans ma vue. Quand il m'a vu chuter, il est resté dans ma vue. Il m'a vu les manquements, il est resté dans ma vue. Permets-moi, excuse-moi, de lui rendre grâce, d'élever la voix en action de grâce et de dire à mon âme, tu dois bénir Dieu, tu dois élever son nom. Mon âme, tu dois proclamer son nom, tu dois proclamer sa fidélité. Il y a des gens qui ne s'intéressaient qu'à ton argent. Ils se sont intéressés à toi parce qu'ils ont vu ton titre, ils ont vu ton sac, ils ont dit elle a l'air bien, elle a l'air aisée, elle pourra m'aider. Le jour où tu as perdu le travail, le jour où tu as perdu la santé, il y a des gens qui se sont éloignés. Je ne les intéressais plus, tu ne les intéressais plus. Mais lui, il est resté dans la barque, il est resté dans la barque, il est resté dans ma vie. Comment veux-tu que je ne l'aime pas? Comment veux-tu ne pas l'aimer? Comment veux-tu ne pas être reconnaissant? Comment veux-tu ne pas être rempli de gratitude? Il est resté en moi. Et même lorsque j'étais digne d'être lapidé, même lorsque j'avais commis des péchés impardonnables, gravissimes, lorsque les hommes voulaient me jeter la pierre. Oh, je parlais avec une femme qui est tombée dans l'adultère. Ramakoto parakitosia, et qui s'est tellement désolé d'être tombé dans l'adultère,
qui s'en veut d'être tombée dans l'adultère. Elle me dit, je suis la seule personne. Tous les pasteurs qu'elle connaît ont pris des pierres. Il y en a qui sont éloignés d'elle. On lui a mis une étiquette. On lui a mis des cibles. On a mis tout sur elle. Et quand elle a parlé avec moi, elle m'a dit, tu es le seul qui m'a compris. Tu es le seul qui ne m'a pas culpabilisé. Tu es le seul qui ne m'a pas condamné. J'ai dit, non, tu es ma fille et tu restes ma fille. Je ne te lâche pas. Je ne lâche pas les gens qui tombent. Je ne lâche pas parce que tu es tombé. Ah non, 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 non. C'est quand tu tombes que tu vois vraiment qui t'aime véritablement. C'est quand tu tombes que tu vois vraiment qui tient à toi véritablement. Elle m'a vraiment un message. Elle était désolée. Elle dit, mais les gens, en fait, ils m'ont mis tous des étiquettes. Alors du coup, elle vient me dire, est-ce que je pourrais encore accomplir ma destinée? Est-ce que je pourrais encore accomplir la volonté de Dieu? Je suis entouré tellement de gens qui doutent de moi maintenant. Du coup, moi-même, je me sens indigne. Je me sens, est-ce que je pourrais encore accomplir la volonté de Dieu? Parce que j'ai l'impression que j'ai caché ma vie. Et je lui ai répondu par une question. As-tu l'impression que David a accompli quand même la volonté de Dieu? Ma Bible dit que David, ayant, après avoir servi au dessein de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu dans sa génération, oh mon frère, ça c'est dans Actes 13, je crois que c'est au verset 36. Mais bien-aimé, c'est dans le Nouveau Testament. On nous raconte l'histoire après, alors que l'histoire est finie. Alors Paul revient raconter l'histoire et il dit, David, après avoir en 100 ans servi au dessein de Dieu, d'autres versions disent, après avoir accompli la volonté de Dieu. Non, comment est-ce possible? Mais non, c'est celui qui a commis l'adultère. Mais non, c'est celui qui a fait assassiner Uri. Mais non, c'est celui dont les enfants, la famille a éclaté, a volé en éclat. C'est celui qui a échoué. Nous, dans l'Ancien Testament, quand on l'a vu, on a dit, oh, il a échoué. Non. Quand Dieu a inspiré par le Saint-Esprit le Nouveau Testament pour parler de David, il n'y a pas la mention de son adultère, il n'y a pas la mention de son assassinat, il n'y a pas la mention de ses enfants, de sa famille naufragée. Il est écrit, David, après avoir servi au dessein, après avoir accompli la volonté de Dieu. Dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, je te pose une question. Est-ce que l'adultère de David l'a disqualifié? Est-ce que l'adultère de David a mis un terme à sa destinée? Non, loin de là, parce que David s'est humilié. David avait soif de Dieu. Il est tombé, mais il s'est relevé parce qu'il voulait plaire à Dieu. Il a compris que la fin d'une chose valait mieux que son commencement. Alors il s'est relevé, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers l'avant. Il a continué de courir afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu bon, un Dieu bienveillant. Non, Mandaraba, ta chute d'hier et même d'aujourd'hui ne te disqualifie pas. Tant que ton cœur est brisé, tant que ton cœur est repentant, tant que ton cœur est sincère, tant que ton cœur est humble, ce ne sont pas tes péchés qui vont te disqualifier. Tes péchés vont te séparer de Dieu si tu ne te repens pas. Mais il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oh, merci Père pour ta miséricorde. Si ce n'était que les gens comme cette sœur, ils prennent les pieds, ils sont rapides. Quand ça va, ils ne te disent rien de bon. Quand ça ne va pas, ils te disent tout le mal qu'ils voient en toi et de toi. Quand c'était bien, ils ne disaient rien. Mais béni sois-tu, Abba Père, de ce que toi, tu n'as pas pris, Seigneur, la pierre pour me lapider. Non, tu as tendu la main pour me dire, relève-toi. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Comment pourrais-je être insensible et indifférent face à un tel amour, face à une telle compassion, face à une telle miséricorde? Oh Père, nous sommes reconnaissants. Nous voulons peser, prendre le temps de te dire merci. Abba Père, mon âme est remplie de gratitude. Mon cœur est rempli d'actions de grâce à cause de ce que tu es là. Il y en a qui n'ont pas cru en moi. Ils m'ont jugé en fonction de mon passé.
Ils m'ont jugé en fonction de ma couleur. Ils m'ont jugé en fonction de mes échecs. Ils m'ont jugé en fonction de mes erreurs. Mais béni sois-tu de ce que Christ en moi, tant que tu es là, la gloire peut être atteinte toujours. Et ce n'est jamais fini. Tant que tu es là, ce n'est jamais fini. Je t'annonce que sur ta vie, tant qu'il est là, ce n'est pas fini. Laisse les hommes te mettre des étiquettes. Laisse les gens te stigmatiser. Laisse les justes condamner. Lui, il a dit, je ne te condamne pas moi non plus. Va, mais ne pêche plus. Oh, comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'élèverai un chant d'action de grâce. Je bénirai le nom du Très-Haut. Je bénirai le nom du Seigneur. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans la maladie. Oh! Ratakato paradeske paradia. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave. À quelqu'un qui est atteint d'une maladie mortelle. Et tu as constaté que quand tu étais en bonne santé, tu avais des amis autour de toi. Quand tu étais malade, il y avait encore quelques amis qui subsistaient. Certains avaient commencé déjà à s'éloigner. Je suis en train de te parler à toi qui m'entends. Mais quand plus la maladie se détériorait, plus les amis diminuaient. Et quand la maladie s'est complètement enfoncée, maintenant quand tu regardes autour de toi, il n'y a plus personne que les infirmiers et les infirmières et les amis. La plupart, 90%, ont disparu. Oui, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mais ne t'inquiète pas. Lui, il est là toujours dans ta barque de ta vie. Et ton espérance, ce n'est pas ton ancien mari, ton ancienne femme. Ton espérance, ce ne sont pas tes anciens amis. Ton espérance, on l'appelle J-U-S-U-S. C-H-R-A-B-R-A-T-O-P-A-Y-A-I-S-T. Ton espérance, c'est-à-dire celui qui peut emmener ta vie à une issue favorable, ce ne sont pas les gens qui sont partis. Laisse-les partir, laisse les copains partir, laisse les copines partir, laisse les petits amis partir. Ils ne sont pas ton espérance. Ton espérance s'appelle Christ, Christ. Il est mon espérance de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'élever la coupe de délivrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de bâtir un autel d'action de grâce? Un autel de louange? Un autel d'acclamation? Un autel d'exaltation? Oh, pour le Christ! Pour le Christ! Pour le Christ! Il est mon espérance! Mon espérance! Mon espérance de gloire! Oh, tu es là! Ah, ratapara, et matoparia, ishadea, maleadosia, et paradisaka, maledopra, oh, letetea, malatusa. Oh, yes, Lord, amour de ma vie, rocher de mon cœur, héros qui m'a sauvé, le quatrième homme dans la fournaise, le quatrième dans la fournaise. Le quatrième dans la fournaise. Oh, parada, il m'a tout pas. Oh, paradis, gâteau, mandat, et il parada. Le quatrième dans la fournaise. C'est pourquoi le feu ne me brûlera pas. Il y a un quatrième homme avec moi dans la fournaise. Il est dans la barque de ma santé. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette condition. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans cette frustration. Tu ne mourras pas dans cette condition. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la barade. Non, non, non. Le quatrième homme. Il est là avec toi. Il était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il est avec toi. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il est avec toi. Ah, Rapa, Mando Pratia. Tu dois élever. C'est lui ton espérance. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ceux qui sont partis de ta vie. Bénis Dieu pour celui qui est resté. Bénis Dieu pour celui qui est resté. Qui ça, comment s'appelle-t-il? On l'appelle le consolateur. Oh, Ratea. Mante Katosia. On l'appelle le Christ. On l'appelle le consolateur. On l'appelle l'onction. L'esprit de Jésus. C'est Jésus par son esprit.
Oh, bénis-le. Lui, il est là. Lui, il est là. Il est là. La barque ne coulera pas parce qu'il est là. La barque ne sombrera pas parce qu'il est là. Ta santé, tu vas la recouvrer parce qu'il est là. Ah, racoparia mandekaparia. Tu ne mourras pas de tumeur. Tu ne mourras pas de diabète. Tu ne mourras pas de AVC. Tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas de crise cardiaque. Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de ce dysfonctionnement de tes reins. Tu ne mourras pas de cette maladie du foie. Tu ne mourras pas de cette cirrhose. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le quatrième homme est là. Il est là. Ratete kapara. Oh, la do pari. Iprato. Mandopa. Oh, la dea. Oh, la namasita dobra. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se coupe pas de honte. Enlève la honte. Enlève l'embarras. Renonce à la honte. Ne cohabite pas avec la honte. Ne cohabite pas avec l'embarras. Rejette l'embarras. Tu n'as rien à craindre. Rejette l'embarras. Rejette la honte. Rejette l'embarras. Rejette le regard des gens. Détourne-toi. Détourne-toi. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas impressionner et intimider. Ne te laisse pas abattre par le regard des gens. Ils ne sont pas ton espérance. Ne te laisse pas abattre par les commentaires des gens. Ils ne sont pas ton espérance. Ne te laisse pas abattre par le départ des gens. Ils ne sont pas ton espérance. Ne te laisse pas abattre par les ragots, les commentaires, les calomnies. Ils ne sont pas ton espérance. Ça signifie que leur présence dans ta vie ne peut pas t'emmener à briller et accomplir ton destin. Si Christ n'est pas là, mon frère, il n'y a aucun homme qui peut t'emmener à atteindre la cible, à accomplir le but, à briller de toutes tes forces comme le soleil en plein midi. Il n'y a aucun homme, aucune femme. Voilà pourquoi tu dois arrêter de pleurer sur ceux qui t'ont laissé et tu dois arrêter de les maudire et de les retenir. Mais au contraire, bénis Dieu pour celui qui est resté. Ne maudis pas ceux qui sont partis. Rends grâce pour celui qui est resté. On l'appelle le quatrième homme. On l'appelle le paraclet. On l'appelle le consolateur. On l'appelle le Dieu terrible. On l'appelle le Dieu de compassion. Oh, rada ta prière. Mando perricato palatesca. Parce que tant qu'il est là, la gloire peut être atteinte. Tant que je coopère avec lui, même si tous m'ont abandonné, la gloire peut être manifestée. C'est-à-dire le but peut être atteint. Le projet de Dieu peut être abouti. Il peut être réalisé. Mais comment? Ils m'ont tous laissé. Ne t'inquiète pas. Je me suis réservé 7000 personnes sur la terre. Tu ne connais pas tout le monde. Tu connais ceux qui t'ont laissé. Mais tu ne connais pas les gens que j'ai préparés pour te porter et pour t'encourager. C'est parce que tu pleures par rapport à hier que tu n'arrives pas à voir. Je n'arrive pas à mener les provisions que j'ai préparées pour toi. Lorsque tu vas rentrer dans l'action de grâce pour célébrer le quatrième homme et les provisions que le quatrième homme a apportées. Il a dit quiconque aura laissé à cause de l'évangile du royaume de Dieu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, retrouvera sur cette terre des persécutions, mais il retrouvera aussi des frères et des sœurs. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pères, il y a des mères que j'ai préparés pour ta vie. Alors arrête de pleurer pour ceux qui sont sortis et rends grâce de ce que tant que je suis là, tant que je suis là, dans la barque, Pierre, avec toi, tant que je suis dans la barque, ma présence dans la barque va attirer les poissons, ne t'inquiète pas. Je sais, tu as galéré tout le temps, tu as galéré depuis longtemps, tu as galéré pendant des années, ne t'inquiète pas. Ne maudis pas ceux qui t'ont refusé les emplois, les stages, les contrats, ça serait mal faire. Bannis l'amertume, renonce à l'amertume, renonce au grief, renonce à la colère, renonce à l'aigreur. Parce que tant que je suis là, ma présence dans la barque va attirer les poissons, va attirer les faveurs, va attirer les contrats, va attirer les vrais amis, va attirer les amis, les partenaires d'alliance, les amis de destinée, les frères et les soeurs de destinée, les parents de destinée. Bénis Dieu, ne pleure pas sur ceux qui ne sont pas là. Bénis Dieu, mais commence par apprécier. Parce que tant que tu ne m'apprécies pas, je ne peux pas faire venir les poissons. Il faut que tu te réjouisses d'abord de ma présence dans la barque. Dans la barque. Il faut que tu te réjouisses de ma présence dans la barque. Chata keto,
Ramakoto Sinamare Ramaleto Kabarain Imarane Ramaro Share Maramaro Amarama Shadomare Ramira Sato Ale Marasi Rimana Sate Namarasi Shalamara Sate Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es mon âme. Mon âme te bénit, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Oh, Abba Père, le Fils, le Saint-Esprit, oh, le Dieu trois fois saint est là. Mon âme. Mon âme, car je sais que tu es mon âme, oh, mon âme, tu es le droit, le quatrième homme dans la fournaise, car je sais dans la barque de ma vie, mon âme, mon âme. Je ne suis pas seul, non, non, non. Une voix me disait, tu es seul en ta voix de main. Non, je suis en train de dire à ma père, mon âme te bénit. Mon âme est remplie de gratitude. L'essentiel est resté. Le plus important est resté. Mon âme. Ils m'ont abandonné, gloire à ton nom. Est-ce que toi, tu es resté dans ma vie? Oh, parato, péri, ante, marotosia. Quand ma santé s'est dégradée, ils ont disparu. Mais mon âme, tu es le quatrième homme. Tu es le feu des bourreaux. Tu es le chirurgien. Mon médecin. Tu es ma percée. Tu es le doigt invisible qui réécrit mon histoire. Mon âme, mon âme, mon âme, car je sais, mon âme est là. Mon âme ne peut pas se taire. Mon âme veut exalter ton nom. Mon âme veut bénir le nom du Seigneur, Jésus le Christ, mon espérance de gloire. Mon âme bénit mon médecin, mon âme bénit mon guérisseur, mon âme bénit mon bienfaiteur. Mon âme bénit mon architecte, mon âme bénit ma vie éternelle, la vie de mon corps, la vie de mon âme, la vie de mon esprit, la vie de mon sang. La vie de mes cellules, la vie de mes organes, la vie de mon foie, de mes os, de mes reins, la vie de mon système immunitaire, c'est toi, mon âme. Ah non, il n'y a pas de métastase dans ce corps. Non, 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 il n'y a pas de dysfonctionnement dans mon sang. Non, mon âme bénie, tu es la vie de mon sang. Mon âme, tu es la vie de mes neurones, la vie de mon intelligence, la vie de ma créativité. Je ne suis pas bête, je ne suis pas stupide, non. Mon âme, tu es dans la barque avec moi, au milieu de la tempête. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, repose-toi, racatopere, catouzie, pere, madouzie. Et la barato baréa, imata baréa. Mon âme, mon âme, mon âme, c'était déca, baratasia. Je ne peux pas me taire. Mon âme doit te bénir. En tout temps, mon âme. Ah, je sais, je ne suis pas seul. Les hommes n'auraient rien fait dans la barque.
Les autres n'auraient fait que parler. Ils auraient dit, oh Yako, pitié de toi. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin qu'on me dise pitié de toi. J'ai besoin qu'on me dise, ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin de ceux qui me parlent de la part de Dieu et qui me parlent la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me lamente. Je n'ai pas besoin qu'on s'apitoie sur toi. J'ai besoin qu'on parle la vie, qu'on envoie la parole, qu'on m'envoie la parole. Parce que c'est la parole qui me guérit, c'est la parole qui me délivre de la force. Alors il y en a qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas la parole en eux. Ils n'avaient aucune parole à m'annoncer. Ils n'avaient aucune parole de vie à communiquer. Voilà pourquoi ils sont partis. Mais je suis reconnaissant de ce que toi tu es resté. Car je sais que tu es mon âme. Matea, Isaac, Padrea, mon âme, mon âme, oh, je sais, mon espérance de gloire est là, mon espérance est là, ma médecin est là, ma percée est là. Ma lumière est là. Il dégage les ténèbres de ma vie, non. Ma Bible dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Il est celui qui se lève dans ma vie. Il est le quatrième homme dans la fournaise. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Ramato. Irama. Oh, l'amour de ma vie est là. Et je sais. L'amour véritable est celui qui reste, bien-aimé. L'amour véritable, c'est celui qui reste et qui aime en tout temps. Il est celui qui m'aime en tout temps. En tout temps. Même quand je tombe, il m'aime. Même quand je fais mal, il continue de m'aimer. Il ne peut pas s'empêcher de m'aimer. L'amour est resté, mon frère. L'amour est resté dans ta vie, ma soeur. Ne pleure pas l'homme qui t'a quitté. Il n'était pas l'amour. Celui qui est véritablement l'amour est resté. Mon âme. Mon âme. Ne pleure pas la femme qui est partie, mon frère. Elle est partie. Mais l'amour est resté. L'amour aime en tout temps. Celui qui ne t'aime pas en tout temps n'est pas l'amour. Non. La bonne nouvelle que je t'annonce dans ta vie, l'amour n'est pas parti, il est resté. Mon âme, mon âme, Ramachado Kepara et Ramatos, mon âme, mon âme, mon âme. Oh, je suis juste reconnaissant. Même si tous sont partis, mon âme, toi tu es resté, l'amour est resté, l'espérance est restée, l'auteur de ma foi est resté, la vie éternelle est restée, la gloire de Dieu est restée. La résurrection est restée. Même si tous sont partis, la gloire de Dieu est restée. La gloire de Dieu est restée. La justice de Dieu est restée. Ma vengeance est restée. Mon rémunérateur est resté. Mon libérateur est resté. Ma percée est restée. Mon âme, mon âme, car je sais, oh, je sens monter la reconnaissance, je sens monter de la gratitude. Oh, l'amour aime en tout temps. Oh, toi qui m'as toujours aimé, jamais tu n'as accompagné ceux qui voulaient me lapider. Jamais tu n'as supporté ceux qui me critiquaient. Jamais tu n'as approuvé ceux qui m'attaquaient.
Jamais tu n'as approuvé ceux qui me jetaient des flèches, jamais. Tu n'as jamais été avec ceux qui me calomniaient, non. Même quand ils disaient qu'ils parlaient de la part de Dieu, non. Jamais tu n'as été du côté de l'accusateur, non. Tu as toujours été du côté de la défense. On t'appelle mon avocat auprès du Père. Aïe, 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 aïe. Mon âme. Mon âme. Mon âme te bénit. Parce que tu m'as aimé le premier. Et parce que tu m'aimes en tout temps. Aïe, aïe, aïe. Mon âme. Mon âme. Ratatosia. Et par raclette au Paris Anneza. Mon âme bannit l'amertume. Renonce à l'amertume. Renonce à la frustration. Renonce à la déception. Parce qu'il est resté. Il est resté. L'amour est resté. L'espérance est restée. Le libérateur est resté. Ta délivrance est restée. Ta percée est restée. Ton rémunérateur est resté. Ta bannière est restée. Ta lumière est restée. Ton avantage est resté. Ah non, tu n'es pas seul. Mon âme. Papa est peut-être parti, mais l'amour est resté. Le Père céleste est resté. Mon âme. Les médecins sont partis. Ils ont dit, il n'y a plus rien à faire pour vous. On a mis le protocole à engager pour vous. On est en cours de solution. Ne t'inquiète pas, laisse partir les médecins. Console-les, console-les. Console-les, dis-leur merci d'avoir fait ce qu'ils pouvaient faire. Dis-leur merci d'avoir essayé ce qu'ils pouvaient essayer. Ne les maudis pas, ne murmure pas, ne te sens pas désespéré. Dis merci aux médecins. Dis-leur, c'est pas grave, ça va aller. Je connais quelqu'un qui, après votre départ, va se lever soudainement. On l'appelle mon rédempteur. On l'appelle mon rédempteur. Allez-y, je vous encourage. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait comme vous pouvez. Après votre départ, après votre départ, après vos traitements, après vos médicaments, le rédempteur va se lever. En dernier, il va se lever. Il va fermer la parenthèse. Il va mettre un point final à cette histoire. Vous n'avez pas le droit de mettre un point final à ma vie. Vous n'avez pas le droit de dire c'est fini pour lui. Vous n'avez pas le droit de mettre le point. Dieu vient mettre la virgule. Et maintenant, après la virgule, se lève mon rédempteur. Après la virgule du divorce, après la virgule de l'annonce de l'abandon des médecins, ils n'ont plus espoir. Ils disent ça sent déjà mauvais. Après la virgule, Dieu vient mettre une virgule dans cette situation. Il vient annuler le point final que les hommes ont mis sur ta vie. Dieu vient mettre virgule. Il vient se lever. Mais il faut que mon âme collabore. Il faut que mon âme collabore. Il faut que mon âme coopère. Il faut que mon âme coopère. Parce que la puissance de résurrection va agir par mon âme. Elle va agir envers nous qui croyons. Elle va agir par mon cœur. Il a besoin, quand il va arriver au niveau de mon cœur, de trouver un cœur réceptif, enthousiaste, rempli de joie, débarrassé de l'amertume. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Au paradis, la majesté. Mon âme, mon âme. Oh, mon âme. Rama Chateau qui est derrière. Mon âme. Tu es en train de coloniser ton âme. Tu es en train de discipliner ton âme. Parce que quand la gloire vient, il doit trouver la foi. Il doit trouver l'amour. Quand la réponse de Dieu vient, ton cœur peut freiner ou autoriser ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le laboratoire de fabrication. Il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède ou encore un
bon traitement, un bon médicament. Mais un esprit abattu, un esprit déprimé, un état d'esprit découragé assèche les eaux. Mon âme fixe les yeux sur Jésus-Christ, l'auteur de ma foi et celui qui l'amène à la perfection. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Et les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. D'autres versions disent l'auteur et le consommateur de votre foi. Et les yeux sur Jésus. Même quand tu as été mordu par les serpents, la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et Moïse a élevé le serpent dans le désert lorsque le peuple d'Israël a été mordu par des serpents. Et pendant que les serpents tentent de faire un carnage, Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit de Moïse de prendre dans le désert et d'élever un bâton avec un serpent d'airain. Et il a dit, quiconque regardera au serpent conservera la vie. Ne regarde pas au serpent plutôt. Quiconque regardera au serpent d'airain, pas au serpent qui mord, mais au serpent perché, le serpent d'airain de bronze. C'était une figure de Jésus. Parce que Jésus a dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que même le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait de la crucifixion. Afin que quiconque le voit perché là, trouve de la même manière que ceux qui ont fixé le serpent d'airain dans le désert. La Bible dit que ceux qui le fixaient, ils conservaient la vie. Il recevait la guérison. Ne regarde à personne d'autre qu'à lui. Voilà pourquoi ton âme, lorsque les gens sont partis, lorsque les verdicts négatifs sont arrivés, ton âme ne doit regarder qu'à lui. Et les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de la foi, celui qui donne la foi et celui qui mène cette foi à la perfection. Mais ce n'est possible que si tu gardes les yeux fixés sur lui. Et c'est ce que tu es en train d'exercer ton âme à faire ce soir. Mon âme, médite. Beaucoup sont partis, mais ils n'ont rien emporté. Parce que l'espérance est restée. L'amour est resté. L'avantage est resté. Le consolateur est resté. La vie éternelle est restée. Tu cherches quoi encore? La source de la faveur est restée. Le rémunérateur est resté. La source de l'élévation est restée. Tu cherches qui? Aucune personne que tu cherchais qui est partie ne transporte ça. Un seul est le transporteur. On l'appelle le paraclet. Et lui, il est resté. Il est le quatrième homme, mon âme. Alors ne cherche pas à ce que ceux qui sont partis reviennent. Cherche à ce que celui qui est resté s'exprime, se déploie, fasse son ministère, fasse ses œuvres, accomplisse son agenda et fasse venir maintenant quand il reste. Il a 7000 personnes. Il y a des poissons qui vont arriver dans la barque juste parce qu'il est là. Ils reconnaîtront quand ils vont scanner authentification visuelle, quand ils vont le voir en toi, ils vont dire, je le reconnais, je suis la provision. Je ne viens pas à cause de toi, mon frère, ma soeur. Je viens à cause du Christ que je reconnais. On l'appelle l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Mon âme, mon âme. Oh, mon âme, tu n'es pas démuni, tu n'es pas délaissé. Alors je veux que maintenant tu élèves la voix en esprit et que tu bâtisses un autel et que tu abuses en action de grâce. Mais la meilleure manière de le faire, c'est de le faire en esprit. Raté par la commandasia. Et te para. Oh Makatesia. Et la tapara. Oh Matiska parota perea. Et Maradescaramaya. Imante katoparie. Et Marado Pradesia.
Oparande de paratu sama, e mando breketo sapare na mandosia, e mandrate kato mande, ramache do parena, iskatabaro, e paradese, e la dobrata, e marande dosia, ale parato pare, amando breketos de paratu mandesa, o remandos que peria, o mona marena mando. Il est malé dos calé mahale kadoski. Marano machakena. Ramaide romanis et ramaide. Il ramadoske la mahala kasea. O rakena toska lima heta baradosie. Amarano marashana madeza. O marine ma. Ne sois pas amer, ne sois. Renonce à l'amertume contre cet homme qui est parti. Renonce à l'amertume contre cette femme qui est partie. Renonce à l'amertume. Renonce à l'amertume envers ceux qui t'ont quitté. Celui qui devait rester est là. Il est là. Satan te trompe et te séduit. Il te fait croire que ta vie n'avance pas à cause de ceux qui sont partis. Non. 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 L'Esprit me dit de te dire. Cette voix te trompe. Elle te fait croire que ta vie s'est arrêtée à cause des personnes qui sont parties. Non. L'Esprit me dit de te dire que ta vie s'est arrêtée parce que tu n'as pas su honorer, célébrer, discerner, reconnaître que celui qui est resté, qui contenait tout ce dont tu as besoin, était là. Tu as manqué de gratitude et de discernement. Et comme il n'y a pas eu la gratitude permanente, assise et compactée dans ton cœur, alors du coup, c'est toi qui as activé un, deux, trois soleils, bloqué. Tu as fait une pause sur la main de Dieu. Tu as empêché le bras du Seigneur de se déployer. Il ne se déploie pas là où il n'y a pas de gratitude. Il n'arrive pas à agir là où il n'y a pas d'action de grâce. Il n'arrive pas à agir là où il y a le regret. Il n'arrive pas à agir là où il y a la tristesse. Il n'arrive pas à agir là où on vit dans le passé. Il est mort. Ce n'est pas parce qu'il est mort, elle est morte que ta vie s'est bloquée. Non. Ta vie s'est bloquée parce que tu n'as pas discerné que la source de la vie était là. Quelqu'un est parti, mais la vie est restée. La vie se conjugue en un mot, G-U-S-U-S. Il n'est pas parti, il est resté, mais tu n'as pas discerné. Tu as été encore une fois de plus trompé par des forteresses. Et du coup, tu n'as pas su apprécier que quand ils sont partis, les choses sont parties, la richesse est partie, la maison est partie. Les faveurs que tu avais hier sont parties. L'Esprit me dit de te dire, tu as été piégé parce que tu n'as pas discerné que la richesse est restée. Ce qui est parti, c'était là, les biens matériels. Mais la bénédiction est restée. Et quand la bénédiction est là, la bénédiction recrée la richesse qui est partie. Mais tu n'as pas discerné que l'auteur de la bénédiction était resté. Alors tu as cru à un mensonge. Comme tu as cru que dès lors qu'il y a des gens qui sont partis, des choses qui sont parties, ta vie était pénalisée, il t'a été traité, il t'a été fait selon ta foi. Et c'est ça ta foi. Ta foi, c'est que si telle personne, si telle chose, telle connexion n'est pas là, je ne peux pas m'en sortir. Si je n'ai pas les finances, je ne peux pas m'en sortir. Dès que tu as cru ça, ta foi, c'est ça. Alors s'il n'y a pas les finances, ta vie est bloquée. Mais me dis de te dire, ta vie n'est pas bloquée parce qu'il n'y a pas les finances. Parce que la provision, la source, le Père, la source, la source de toutes choses, tant qu'il est là, il fait sortir des fleuves, même dans le désert. Oh, il fait jaillir des fleuves, même dans le désert. Il fait jaillir des fleuves, même dans le désert. Alors tu me diras, mais pasteur, je n'ai pas vu les fleuves dans le désert. Tu ne les as pas vus parce que dans ton subconscient, tu t'es dit que si il est parti, elle est partie, les opportunités sont parties. Alors, toi, tu as regardé à des personnes, à des circonstances, le travail est parti, il ne pourra plus y avoir la provision. Mais tu n'as pas compris que le travail n'est pas la source. La source, c'est une personne. Il a pourvu par le travail. Mais lorsqu'il n'y a plus le travail, il est celui qui est capable de t'envoyer au torrent de Kérite et d'ordonner aux oiseaux de te nourrir. Les oiseaux peuvent te nourrir. Toi, tu comptais sur ton employeur. Non,
Dieu n'est pas limité par ton employeur. Dieu n'est pas limité par ton contrat. Dieu sait pourvoir. Mais tu as cru que la source était le travail. Il me dit de te dire que la source n'est pas le travail. La source est une personne. On l'appelle Abba Père. Et le mot Père signifie source. Le mot Père signifie source. Et tant que le Père est là, je ne manquerai de rien. Oh Rapatasia, Mandeka Parado Para. Je veux que tu élèves la voix et que tu dises au Père merci de ce que tu es là. Tu es là. Mon âme, mon âme. Abba Père. Abba Père, je sais que tu es là. Tu es ma source, ma source de finances, ma source de vigueur, ma source de faveur, ma source de provision, ma source d'emploi, ma source c'est toi, mes sources sont en toi. Ma source de force, ma source de vie, mon âme, car je sais que tu es là. Je ne suis pas dans la disette, non. Ce n'est pas le désert, non. Il fait jaillir des cours d'eau, des sources, des ruisseaux, des rivières en plein désert. Car tu es ma source intarissable, mon âme, la source de ma vigueur, la source de ma santé. Ce n'est pas le médicament, non. Ma source, c'est toi, Aladobada. La vie éternelle, la santé divine, la sagesse divine. La source de ma percée, c'est toi. Mon âme, car je sais. Oh, mon âme, mon âme, mon âme. Ma source de fécondité, c'est toi. La source de productivité, c'est toi. La source de mon enfantement, c'est toi. Ma source, c'est toi. Mon âme, il ne me manque rien, non. Dès lors que tu as la source, tu n'as plus besoin. Tu ne peux pas dire qu'il te manque quand la source est là. Voilà pourquoi il est écrit. Voilà pourquoi il est écrit. Vous avez tout pleinement en lui. D'autres versions disent, vous êtes pleinement comblé en lui. Comment peux-tu avoir une source intarissable de tout et dire que tu vis dans le manque? Ce qui bloque ta vie, c'est ton système de pensée qui a été pénétré par le mensonge. Et tu as accepté le mensonge. Et tu seras toujours fait, pas selon ta prière, selon ta foi. Et ta foi était que si il n'est pas là, si telle chose n'est pas là, si l'employeur n'est pas là, s'il n'y a pas le boulot, je ne peux pas payer mon loyer. Qui t'a dit ça? Tu as cru que le boulot est la source. Tu as remplacé Dieu par le boulot. Tu as remplacé Dieu par ton père ou ta mère. Et le jour où la source de l'autre côté a tari, tu as commencé à déprimer. Pourquoi? Tu as cru à un mensonge. Et tu es victime de ce mensonge. Les portes sont fermées. Pas parce que tu ne pries pas, mais parce que ta foi n'est pas là. Ta foi, c'est s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la provision. Tu as créé un chemin. Tu as déterminé comment la provision doit venir. Tu as pensé comme le monde. Tu n'as pas pensé comme Dieu. Et c'est ta manière de penser qui a bloqué les personnes que Dieu avait préparées pour te visiter. Dieu te visitera toujours par les gens. Mais ta manière de penser en disant, s'il n'y a plus papa, maman, le travail, il n'y a plus ça,
alors c'est le désespoir. Et une voix t'a dit, pleure. Et c'est ce que tu as fait. Lamente-toi. Sois triste. Non. La provision n'est pas venue. L'argent des études n'est pas venu. Oui. Pas parce que Dieu n'était pas capable, mais parce qu'il n'y a pas eu de chemin frayé dans ton cœur pour amener la provision. Ton âme n'y croyait pas. Ton âme ne l'a pas vue comme source. Ton âme n'est pas rentrée dans l'insouciance. Ton âme n'est pas rentrée dans la sérénité. Parce que tu as dit, si la porte là se ferme, si les hommes ne sont plus là, je connais Mado Bradea Isado Para Letekepa Olada. Je viens à ta source. Rado Shakatos Mado Bredeskaya no Masia. Oh Paladese. Oh Maladea Paradota Tela Mados. Tu dois le reconnaître. Tu dois mener ton âme à le reconnaître comme ta source. Oh Lado Para. Pardonne d'avoir douté de toi. Pardonne d'avoir cru au mensonge. Pardonne d'avoir accepté. Mais Seigneur, les forteresses là sont trop subtiles. C'est trop. Mais comment ça piège les gens? Mais c'est impressionnant. Je le demande pardon d'avoir limité toi, de t'avoir limité. Tu dis non, je crois en Dieu, mais tu n'y crois pas. Ta manière de penser prouve que tu n'y crois pas. Repends-toi. Parce qu'en fait, tu as empêché la source d'opérer. Tu as empêché la source de se déployer. Tu as empêché la source d'amener les ressources. Tu as empêché la source d'amener les ressources. Parce que tu t'es dit que la source était une personne ou une chose ou une organisation. S'il ne donne pas la bourse, je suis fini. Je ne peux pas payer mon loyer, mes études. Si la CAF n'est pas là, je suis perdu. C'est toi qui viens de déterminer la source. Mais non, Dieu est la source. Il est capable d'utiliser des oiseaux. Il est capable même d'utiliser une veuve qui est pauvre, qui est fauchée, qui est broke, qui n'a rien. Tu vois la maman, tu dis, maman, c'est moi qui devrais t'aider. Tu dis, maman de Sarepta, c'est moi qui devrais venir à ton secours avec ton enfant. Mais la maman te dit, non, c'est moi qui vais t'aider. Maman, tu n'as rien, mais tu ne peux pas. Ma Bible dit que ces voix sont insondables. Tu ne peux pas discerner ces voix. Les voix du Seigneur sont insondables ou encore impénétrables. Tu ne peux pas anticiper quel chemin il va prendre, quel itinéraire il va utiliser pour venir amener la provision que tu espères. Alors, focalise-toi sur toi, ayez les regards sur Jésus-Christ, l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Rama Château. Je viens à ta source. Bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, ayararo. Tu es la source de cette grossesse. Tu es la source qui va amener cette grossesse à manifestation. Je viens à ta source. Bois de ton eau. Car au fond de moi. Oui, maintenant tu es en train de le reconnaître comme la source. Maintenant, tu es en train de rééduquer ton âme. Tu es en train d'aligner ton âme maintenant au ciel. Tu es en train de créer un corridor maintenant vertical. Entre le ciel et ta vie. Entre le ciel et ta vie. Entre le ciel et ta vie. Maintenant que tu es en train de te comprendre. Tu es en train de comprendre. Je vois le mensonge renversé dans ta vie. Maintenant, je suis en train de voir le corridor dressé à la verticale. Je le vois à la verticale, à la verticale. Je vois les anges maintenant prêts à monter et à descendre sur le Fils de l'homme. Je viens boire de ton eau. Je te reconnais comme ma source, la source de ma vigueur, de ma sagesse, de mes finances, de ma maison, de mes loyers. Je viens. La source de la protection de ma maison, de ma famille, la source du salut, la source de délivrance, de guérison. Ah, parapate, parado, palé. Je viens. Boire de
fond de moi. Au fond de toi. Oh, moi j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin des hommes. J'ai besoin de toi. Je sais que les hommes sont indispensables. Mais ce n'est pas à moi de déterminer qui est indispensable. Non, l'indispensable c'est toi. Et c'est toi maintenant qui me conduis vers les hommes. Mais aucun homme n'est ma provision. Aucun homme n'est ma source. Et moi personnellement, je l'ai vu pendant la construction de la cité. J'ai vu des millionnaires, mon frère. Oh non, je dois te raconter. Je dois te raconter. Je dois te raconter. Je dois te raconter. J'ai vu des millionnaires. J'ai vu des millionnaires. Des hommes et des femmes qui, avec un seul chéquier, étaient capables de financer toute la cité à eux tout seuls. J'ai vu des millionnaires qui m'aiment, qui me respectent. Je disais, mais quand on nous menaçait de fermer, les sociétés disaient, si je ne peux pas payer d'ici lundi, j'arrête le chantier. Et si une société arrête le chantier, il faut un mois attendre 3 mois avant qu'ils ne réinstallent le matériel. Parce que c'est ça le délai légal. Et j'ai vu des gens qui disaient, on va vous aider, on va essayer. Des multimillionnaires qui avaient la capacité de signer des chèques de 20 millions, 30 millions. Même quand on avait besoin juste de 3 millions, 3. On avait les garanties. On cherchait juste 3 millions, juste 3 pour avoir une bouffée d'oxygène. Juste 3 millions. J'ai vu des gens qui disent, je suis en train de me battre, je suis en train de me battre, je suis en train d'essayer. Je vais te connecter à telle personne, il va faire quelque chose. Il me connecte, rien. Il connecte à quelqu'un d'autre, rien. On a essayé, on n'a pas. Et à un moment donné, je savais à l'intérieur de moi, c'était même pas la peine d'appeler pour prendre des nouvelles. Je savais qu'ils n'avaient pas de nouvelles. J'ai compris qu'il ne fallait pas compter sur eux. Alors on est venu devant le trône. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi la source. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Le lundi qui a suivi, on attendait une provision miraculeuse. Et le lundi qui a suivi, la provision n'est pas venue. Alors une entreprise a dit, j'arrête le chantier. Et puis ils ont arrêté, démonté leur matériel. On a dit, oh Seigneur, aie compassion de nous. Mais tu sais quoi? Ma Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce qu'à la fin de l'histoire, le bâtiment est fini. Il a été achevé. Il a prouvé que c'était lui la source. Il était la source. Je viens. Oh, Amarata, Isapara, Oparea. Je viens. Aïe. Oh, oh, ma source c'est toi. Ma source c'est toi, ma source c'est toi. Je viens à ta source. Bois de ton nom. Car au fond de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de millionnaires. J'ai besoin de toi. Oh, Abba Père, tu es ma source. Abba, ça veut dire source. Abba, c'est la source. Abba, c'est la source. Abba, c'est la source de la vigueur, la guérison, la délivrance, la santé, la consolation, la restauration, ah, la bénédiction, la percée, la richesse. Tu es la source. Tu es l'amour. Tu es la source de paix. Tu es le père, tu es la mère, tu es tout en même temps. Même si papa est parti, tu es la source. Maman n'est pas là, mais tu es la source. Mon père est décédé, mais tu es la source. Mon père est mort en 97, mais je ne suis pas sans source. Tu es la source. Je viens. Racha de preta. Protopara. Humante para. Oh, Sayama. Je viens. Je viens auprès de Abba. Oh, les Matasa. Et Remandaza, et Ramandazia, et Bradazia, je viens. Ah, et Redepara, oh Ramada, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, il est ma source. Ta source, de ton eau, car au fond de moi. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Ma château bar. Oh, je te reconnais. Car au fond de moi. Source de ma richesse surnaturelle. J'ai besoin de toi. Source de ma santé divine. Source de ma guérison, de ma longévité. Source du salut de ma famille. Source de mes loyers, de mes finances, de mes études. C'est toi la source. Oh, ma source est là. Oh, parade, parade.
Oh, para, il est mata. Ce n'est pas mon employeur. Oh non, un employeur n'est pas ma source. Un président n'est pas ma source. Un ministre n'est pas ma source. Un directeur n'est pas ma source. Un décideur n'est pas ma source. Boire de ton eau. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens, je viens. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau à toi, car au plus profond de moi, c'est de toi, Père, dont j'ai besoin. Je viens à ta source, bois de ton eau à toi, car au plus profond de moi, je reconnais que c'est de toi dont j'ai besoin. Tu es l'amour, la paix, les finances, tu es ma richesse et le payeur de mes loyers, tu es la provision de ma maison, tu es la santé de mon corps. Je mets pas ma confiance dans les médicaments. Je mets ma confiance dans la vie divine. Je mets ma confiance dans le sang divin. Je mets ma confiance dans la grâce divine. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au-dedans de moi, c'est de toi seul dont j'ai besoin. Je viens à ta source, car toi seul peux m'abreuver, toi seul là-bas peux consoler, toi seul là-bas peux transformer. Tu es la source de mon foyer, ma foi n'est pas dans les psychologues. Tu es la source de la guérison de mon foyer, la guérison de mes enfants, de ces enfants remplis de colère qui sont allés dans les autres religions. Je veux te dire que tu es ma source. Je n'ai confiance en aucun autre. Je viens là-bas à ma source. Je te reconnais comme ma source, la source du salut de ma maison. Je ne serai jamais confondu, parce que quiconque espère en toi ne sera jamais couvert de honte. Alors je te reconnais comme ma source. Je ne serai jamais dans l'embarras. Weeping may do for the night, but joy cometh in the morning. Je ne serai jamais dans la confusion, parce que Seigneur, mon espérance est toi. En toi j'ai choisi Christ, la bonne part. Je ne serai jamais couvert de honte. Merci Père pour ceux qui sont partis. Ils n'étaient pas la vie éternelle. Eux n'étaient pas l'amour. Ils n'étaient pas le consolateur. Ils n'étaient pas le guérisseur. Aucun d'eux ne pouvait me guérir. Aucun d'eux ne pouvait m'escorter. Aucun d'eux ne pouvait parler en ma faveur.
contre les voies de réclamation satanique. Aucun d'eux ne pouvait me délivrer de ces filets qui voulaient m'envelopper et qui voulaient m'envoyer très tôt dans le sépulcre. Aucun n'était capable de me sauver. Il n'y avait que toi à ma peine. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, c'est de toi dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de personne d'autre que toi, et tu as prouvé ta fidélité. Oh, je peux retracer l'histoire comme David. J'ai vu comment tu as terrassé l'ours et le lion déjà. Voilà pourquoi je ne suis pas effrayé par les Goliaths. J'ai déjà vu ta fidélité. J'ai vu comment ta main a déjà agi hier. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as déjà accompli hier. Devant Seigneur, le loup, le lion et l'ours. Ce géant Goliath aussi va tomber. Parce que Abba Père, tu es ma source. Goliath est certainement plus grand. Mais toi, tu es le plus grand de tous. Tu as le nom dessus de tous les noms. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Il n'y a aucune montagne qui est plus grande que toi. Alors cette montagne aussi tombera, quel que soit le nom qu'on lui a donné. Je veux te dire que toi, tu es ma source. Je vois cette montagne écrasée. Les hommes ont dit, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas arrêter ce cancer qui est en train de se propager. On ne peut pas arrêter cette condition qui est en train de se dégrader. Mais je viens te dire ce soir que ma source, c'est toi. Ma provision vient de toi. Mon espérance, c'est toi. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je ne serai pas confondu. Je ne peux pas dire comment tu feras, mais je peux dire à quoi ça va ressembler au final. Un seul sera glorifié, un seul sera révélé, un seul sera reconnu, un seul sera couronné, un seul on l'appelle Jésus-Christ. Je connais déjà la fin de l'histoire, parce qu'il est écrit que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Il n'y aura pas d'autre scénario que ta gloire, la manifestation de ta volonté, l'enfantement de toutes mes grossesses. Il n'y aura pas d'autre issue à cette histoire, parce que le Père, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'espérance de confusion, non, 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 c'est l'espérance de la gloire. Parce que dans ton palais, tout s'écrit gloire. Dans cette vie, tout s'écrit gloire. Ça a déjà commencé, ça va s'amplifier. La lumière a commencé à l'aurore. Mais ce soleil va briller jusqu'en plein midi. Je ne suis qu'au début de mon commencement. Je n'ai pas encore fini. La lumière ira de gloire en gloire. Parce que je viens à ta source. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Boire de ton eau. Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. Exaltez mon âme, exaltez mon âme.
t'es mon amour. J'ai besoin de toi. Chalabaros et namaros. Chalé Chalambrasse. Chalambrasse. Chalanare. Nara chalaros. Ye manze. Raye nanaros. Nara tos canela. Oh, malatasi, perekato. Ratamandos. Allons, allez. C'est un moment entre Dieu et toi. Parle-lui. Parle-lui. Malado, c'était Manta Zikre. Ramando, c'est là. Oh, je n'ai pas les mots. Ma source. Oh, merci, ma source. Merci, ma source. Source de quoi? Parle-lui. Lola Désir. Reconnais-le, reconnais-le, reconnais-le. Dans quoi est-il la source? Rabale, chalare mare. Fais ton chant, compose ta mélodie. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Ramande, chalare na. Oh la la. Ilamaro, tazelama. Chole marago paria. Source de délivrance, de quoi? De guérison, de quoi? De provision, de quoi? De sagesse, d'intelligence, de percée, de paix. Il y en a, ils ont juste besoin de la paix. L'autre, c'est juste l'amour. Reçois-le, reconnais-le, reconnais-le. Reconnais-le. De sainteté, reconnais-le. D'humilité, reconnais-le. De bonté, reconnais-le. Ramachata. De protection, de sécurité, de salut, de délivrance. Oh, maladou, zébé. Shalamala, ela la boca ta para ila. Arana. Shela remain. Sharu pretaza. Shalam brote satate. Rani bratos que pa. Rima du sele mare. Shalamare dore. Shale marare. Shade maros, shade la rasai, maros shada. Shamra kuti de rai, shane mara tosi dara, rada dos. Shada shade, amato si le rama. Shalori mare sata desu, shori mando zire, shalamando zire. Comme une biche, soupire après les couronnes, ainsi mon âme soupire après toi, désaltère mon âme. Exalte mon âme. Exalte mon âme. Exalte mon âme. Exalte mon âme. J'ai soif de toi. Exalte mon âme. Exalte mon âme, exalte mon âme. J'ai soif. Abba, Abba, ah, Shalatazi. Oh bien-aimé, élève la voix s'il t'a fait du bien. Élève la voix s'il t'a dirigé. Élève la voix s'il t'a parlé. Élève la voix s'il t'a envoyé une parole. Élève la voix s'il a guéri ton cœur. Élève la voix s'il t'a fait sortir d'une force. La force du mensonge, élève la voix. Abondant en action de grâce.
envers notre source que nous reconnaissons. Parfois, il enlève les personnes dans ta vie que tu considérais comme des sources afin de t'apprendre qu'un seul est la source véritable. Parfois, il ferme des portes, il éloigne des gens afin de t'éduquer et de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ta source, afin de t'apprendre à t'appuyer sur lui seul et personne d'autre, car il est le Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival sur le trône de ton cœur. Oh mon pourvoyeur, oh ma source, oh notre Père, oh Barra, notre fontaine, notre origine, notre commencement. Ah, Yadavada, j'ai tout ce qu'il me fallait. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Tant que tu es dans la place, mon espérance est certaine. On l'appelle Christ en moi, l'espérance de la gloire. Barata, Barata do Paria. Oh, élève la voix, proclame son nom, proclame sa fidélité, proclame qu'il est ta source. Oh Père, sois fier de dire, quand tout le monde est parti, c'est pas grave, ne pleure pas. Il y en a qui sont morts, il y en a qui t'ont abandonné. Regarde vers le ciel, respire bien et dis seulement Abba, 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 tu es ma source. Ah, Repada, oh Redopara, oh ma source c'est toi. Ah, ma vigueur, ah, ma sagesse, mon guérisseur, mon libérateur, ma percée, mon promoteur, mon opportunité, ma richesse surnaturelle. Je ne suis pas désavantagé, je ne suis pas démuni. Oh, celui qui me relève, qui relève ma tête, qui relève ma vie, qui me fait sortir de la cendre, de la poussière, il me fait sortir pour me faire asseoir avec les grands, de la poussière, il fait sortir le pauvre, c'est comme ça qu'on t'a appelé, mais de la poussière, il fait sortir le pauvre, l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Je ne sais pas à qui s'adresse cette parole, mais je dis gloire à Dieu, ma source, mon pourvoyeur, ma sécurité, la vigueur de mon corps, la paix de mon âme, l'amour de ma vie, la force de mon esprit, la puissance de mon homme intérieur. Oh, le salut de ma maison, le héros de ma vie, le héros de ma maison, de ma famille. Oh, ma source, le bâtisseur de l'église, le sauveur de mon pays, le sauveur des nations, de la France, de la francophonie, de l'Afrique, qui sera sauvé. Oh, que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne change rien. J'ai une source qui me permet de croire que l'Afrique changera, que la France changera, le Canada changera, la Belgique changera, ton pays changera. Oh, j'ai une source qui me fait croire que le Congo changera, que le Togo changera, que le Bénin changera, que la RDC changera. J'ai une source. Baratata et Rakaparadosia. Oh, Bara, Abba, 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 Etata, Rabareta, Ipatata, Redeba, Rokopara, Ibarata, Isata. Oh, ma source est là, ma source est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le Seigneur, sa source? Oh, ma source est là. Oh, ma source est là. Ma source est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connecté sur Internet veut mettre des pouces et acclamer? Quand tu as mis les pouces, mets les cœurs et acclame ta source. Et acclame ta source. Et acclame ta source. Acclame ta source. Mon âme, ta source est dans la place. Ne t'inquiète pas. Les bébés vont sortir. Les bébés, les prophéties. Mon âme, ça va sortir de toi cette saison.
Christ sera visible. L'héritage sera visible. Témoignage sera visible. Ton attente sera visible. Mon âme! Oh, parade! Imagata! Eh, paraya! Eh, lavatia! Oh, recata! Mareta! Imara! Eh, shakato! Maratea! Recatesca parada! Oh, chete verata pare! Yes, Lord! Je viens à ta source. Boire de ton eau au fond de moi. J'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Aramare, jika kabaro to severe mada. Che ramade zeke to para. Oh, laisse-moi t'acclamer ma source. Laisse-moi t'acclamer ma source. Laisse-moi acclamer ma source. Laisse-moi acclamer ma source. Laisse-moi acclamer ma source. Ah! Ah! Laisse-moi acclamer ma source. Laisse-moi acclamer ma source. Ma source est de sécurité. Le gardien qui me garde la nuit et le jour. La main étendue sur ma maison. La main étendue sur ICC. La main étendue sur ce pays. La main étendue sur ma destinée. La main que personne ne peut détourner. La parole que personne ne peut annuler. Amen. La parole qui m'a fait échapper de la fosse. Le bras du Seigneur qui me délivre. Amen. Laisse-moi acclamer ma source. Amen. Laisse-moi acclamer ma source. Amen. Celui qui me relève du lit de l'affliction. Amen. Celui qui guérit mon corps et guérit mon cœur. Laisse-moi acclamer ma source. Amen. Laisse-moi acclamer ma source. Amen. Il est celui qui me délivre de la confusion. Amen. Il est la source de ma splendeur et de ma gloire. Amen. Il est la source de ma beauté et de mon héritage. Amen. Il a dit, we be made you for the night. Amen. But joy cometh in the morning. Amen. Je suis dans ma saison de matin. Amen. L'aurore s'est levée dans ma vie. Amen. Et la lumière ira jusqu'en plein jour. Amen. Le soleil brillera de toute sa force. Amen. Cette lumière brille de toute sa force. Amen. À cause de l'Éternel, ma source. Amen. À cause de Dieu le Père, ma source. Amen. À cause de Jésus-Christ, ma source. Amen. À cause du Saint-Esprit, ma source. Amen. À cause du Dieu trois fois saint, ma source. Rabba shaka brata para. Reto maga saka para. Ah, hayarama. Ibrato para ka maga saka. Ah, Raja mato para di sabare. Ah, Rema tu se para kina mato saka. Ah, Ibara go maga siga para. Oh, ah, 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 ah. Ah, et ramadé des bras copara. Ah, 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 ah,
Oh, Padre, que brandi mandosia. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'acclamer? Est-ce qu'il y a 120 témoins pour l'acclamer? Oh, ma soupe, c'est dans la place. Mon pourvoyeur est dans la place. Ma provision dans la place. Ah! Ah! Oh, Raké Pandaka Toparamateza. Il est dans la place. Oh, ma Sete Keto. Je vois un corridor établi entre le ciel et la terre. Je vois des échelles en train de descendre et de monter, des anges en train de monter et de descendre, en train d'accomplir leur ministère. Père, accomplis le mandat, l'agenda, la volonté que tu as prévu d'accomplir aujourd'hui. Déploie-toi. Et là où on t'attend comme étant le pourvoyeur et la source, merci de te manifester ce soir, infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Et les rachetés veulent acclamer leur source. Au nom de Jésus, répandata. Amen, 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 amen. Ah, ah. Amen, amen. Ah, ah. Amen, amen. Prépare, mano, prépare. Amen, amen. Amen. Prépare, et mano, mano. Yes, Lord. Our souls. Abba, 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 Abba. Il ne nous manque rien. Tu es dans la place. Dans la barque, tu es là. Tout est là. Nous le recevons, nous le manifestons. Sereinement. Parce que notre foi a été corrigée. Béni sois-tu. Raccompagne-nous. Continue de nous embraser. Continue de nous conduire. De commander nos choix, nos voies, nos décisions. Tout ce qui sort de nous, fais-nous grâce d'être gouvernés par l'Esprit. Merci. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage. Et l'offrande que moi je vais donner, quelqu'un va donner aussi. Chacun selon sa prospérité, sans contrainte ni regret. Et béni, et multiplié, et reviens multiplié avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen.